Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour se faire quelques bonnes petites nuits d'astro. Ça faisait longtemps et ça va me faire du bien. Alors, je me suis rendu compte d'un truc, hein, c'est que depuis que j'ai cette petite caméra là, donc la Zwo IC1600, je vous ai fait pas mal d'images de nébuleuses. J'en ai fait deux en fait. J'ai fait les dentelles du cygne et j'ai un trou sur la deuxième. Ah, voilà la trompe de l'éléphant. Ça fait deux images sympathiques, mais je vous ai jamais fait d'images de galaxies avec cette caméra, alors que bon, ça marche aussi, hein, c'est tout à fait fait pour. Du coup, ce soir, ça va être l'occasion. Alors, j'en avais déjà fait une en perso, c'était la toute première image que j'avais fait avec, juste pour m'échauffer. C'était le trio du lion. Le résultat était sympathique, mais j'ai juste passé une nuit, et c'était juste pour essayer. Là, ce soir, on va faire une galaxie que beaucoup de gens adorent. D'ailleurs, c'est la galaxie préférée de pas mal de gens que je connais, à savoir M51 ou la galaxie du tourbillon. Enfin, je crois que c'est ça son nom, j'ai un doute sur le nom de la galaxie. Je crois que c'est la galaxie du tourbillon, au pire, je me mettrai un message. Donc on va passer probablement deux nuits, peut-être même plus, si les conditions le permettent, parce qu'il y a pas mal de vent quand même. Donc voilà, j'espère que ça va faire un résultat sympa. Bref, allez, moi, je vais sur place et je vais essayer de vous faire de belles petites images. On va commencer cette vidéo par un petit point technique rapide. Si vous vous intéressez juste aux images, je vous mets un timecode quelque part par là, et si j'ai bien fait mon travail, vous aurez un repère dans la barre temporelle. Mais du coup, on va commencer par un point technique. Pour ce qui est du matos, alors il y a eu un peu de changement, je suis toujours avec le 150-750, ça n'a pas changé, pareil, la même caméra Zwo IC1600, mais je suis passé à une monture HEQ5. Donc ça va me permettre de faire enfin des temps de pause de plus de 45 secondes, 1 minute, ce qui fait plaisir mine de rien parce que ça limite quand même pas mal la possibilité de ce qu'on peut faire. Comme j'essaie un peu de prendre l'habitude de le faire quand je fais des images, je vais aussi faire des photos en plus avec cette caméra. Je vais faire quelques images avec un 90D, donc un appareil plutôt récent, et un Nikon D3200 qui a un réflexe un peu plus ancien. Comme ça, si vous n'avez pas de caméra de ce genre mais vous avez des réflexes, ils sont pas défiltrés les miens, vous aurez une idée de ce que ça donne si vous voulez essayer de faire cette galaxie. Mais si on revient un peu du côté de notre caméra, jusqu'à maintenant j'ai surtout, en tout cas je vous ai surtout montré des photos de nébuleuses, enfin, des images des nébuleuses que j'ai prises. Et quand on prend des images de nébuleuses, j'en ai parlé dans la vidéo sur les filtres qui s'affichera quelque part par là, on cherche à avoir des filtres à courte bande passante. Pourquoi ? Parce qu'une nébuleuse c'est sombre et les étoiles au premier plan sont brillantes. Du coup on prend un filtre qui laisse passer juste la lumière de la nébuleuse, c'est le filtre à courte bande passante, et ça va enlever la lumière des étoiles, ce qui permet d'augmenter le contraste sur les nébuleuses. Mais là, on va pas prendre une nébuleuse en photo, on va prendre une galaxie. C'est pas tout à fait la même chose, parce qu'une galaxie, vue de loin, c'est quand même essentiellement constitué d'étoiles. En tout cas, nous, ce qu'on voit, c'est des étoiles, des pâtés d'étoiles, on va dire. Du coup, on va pas prendre les filtres à courte bande passante SHO, mais on va prendre les filtres RVB. Donc, ils sont pour le rouge, vert, bleu. En fait, c'est juste les filtres qui permettent de recréer de la couleur à partir d'une caméra noir et blanc. Parce que je vous rappelle que ça, c'est un capteur noir et blanc. En plus de ces trois filtres, je vais aussi prendre des images avec le filtre L, qui est donc le filtre qui laisse passer toute la lumière. Ça va permettre de pas choper de la couleur, mais de choper vraiment des détails dans les zones les plus sombres, ce qui est quand même vachement intéressant. Et un dernier détail, c'est que même si de loin, ce qu'on voit dans une nébuleuse, c'est essentiellement des étoiles, il y a un type de nébuleuse qu'on peut voir. Parce que dans l'univers, il y a 75% de la matière, c'est de l'hydrogène. Et du coup, si on regarde une grande structure de loin, comme une galaxie, ce qu'on voit, c'est des étoiles et des grandes nébuleuses d'hydrogène. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aussi prendre des images avec le filtre H-alpha, qui est donc le filtre qui laisse passer uniquement la lumière qui vient de l'hydrogène. Et en faisant ça, ça va me permettre de mieux distinguer certaines nébuleuses de la galaxie. L'idéal, c'est de faire ça quand on a la galaxie en gros plan. Moi, je serais quand même sur un plan assez large. Mais en théorie, ça va quand même nous permettre de choper quelques détails intéressants. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour, donc maintenant il va être temps de faire la mise en station et puis de se lancer quoi. Alors la première étape ça va être de trouver l'objet. Et l'avantage c'est que c'est plutôt simple pour cette galaxie. La première chose à faire ça va être de repérer la constellation de la Grande Ourse, que vous connaissez peut-être sous le nom de la Grande Casserole, parce que les étoiles principales qu'on voit de cette constellation, ça forme plutôt un genre de casserole. Et l'idée, c'est qu'il faut aller sur l'étoile du bout de la queue de la Grande Ourse, ou du bout du manche de la casserole, à vous de voir ce que vous préférez. Et ensuite, il faut repérer ces deux étoiles-là. Alors ces deux étoiles, elles sont assez facilement visibles, parce que même avec un bon quartier de lune, j'arrivais quand même assez facilement à les repérer. Donc une fois qu'on est là, on passe au chercheur.
Moi, j'arrivais à avoir les 3 étoiles dans le chercheur, c'est idéal si vous pouvez. Sinon, vous pouvez vous concentrer uniquement sur ces 2 étoiles-là. Et ensuite, on va aller... Donc, si vous arrivez à voir ce triangle ici, on va aller vers l'extérieur du triangle, chercher ce deuxième triangle ici qui est plus petit. Et une fois qu'on a repéré ce triangle, c'est assez simple, on voit que la galaxie est ici, donc on se place environ entre ces 2 étoiles. Et si vous n'avez pas trop de focale comme moi, vous arriverez à voir votre galaxie dans le champ. Avec un 750 mm et un capteur un peu plus petit qu'un APS-C, ça passe. Donc c'est que vraiment, il n'y a pas trop de soucis. Et une fois que vous êtes là, vous n'avez plus qu'à centrer la galaxie et on est bon. D'ailleurs, petit jeu que vous pouvez faire sur le prochain timelapse si vous voulez, je me suis rendu compte au montage qu'en fait on voit la galaxie sur la fin du timelapse. Alors elle n'est pas très brillante, mais si vous regardez bien, vous pouvez réussir à la repérer. Et voilà, la première nuit est déjà passée. Et franchement, c'était pas trop mal. Pour la première nuit, je sais plus si je l'ai déjà dit, mais j'ai fait le plan L, donc le plan qui laisse passer toute la lumière qui vient du ciel. Et pour les premières images, j'ai fait 2 minutes de temps de pause avec un gain de 180, ouais c'est ça. Et je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Et du coup, les brutes, ça donnait ça, ce qui est déjà pas trop mal pour une brute. Et l'image finale, donc j'ai cumulé 5 heures au total de temps de pause, ça donne ça. Donc ouais, c'est quand même plutôt joli, il y a pas mal de détails, mais en fait je vais pas garder cette image et elle va me servir à rien. En gros, enfin il y a des chances, c'est pas encore garanti mais il y a des chances. En fait l'idée c'est si on regarde un petit peu, qu'on zoome sur une ou deux étoiles bien à fond, on voit qu'elles sont pas parfaitement rondes, même au centre qu'elles sont un petit peu ovales. Et ça c'est dû au fait qu'il y ait un putain de vent, je sais pas si vous voyez autour de moi, ça bouge dans tous les sens. Exactement comme ça, ouais. On va attendre que ça passe d'ailleurs. Et du coup, forcément, avec tout ce vent, quand j'essaie de faire des images, bah, ça bouge un peu dans tous les sens. Et encore, sur l'image que vous voyez là, il n'y a que 2 heures de temps de pause sur les 5 que j'ai fait et que j'ai gardé. Parce que si j'utilise les 5, ça donne ça. Ce qui est vraiment dégueulasse pour le coup. Et ça, c'est la première raison. Et l'autre raison, c'est si on regarde du côté de cette étoile un peu brillante, où on voit les aigrettes autour. Et en fait, on remarque qu'il n'y a pas des belles aigrettes bien carrées. Enfin, c'est pas un carré, ça c'est une croix, voilà. Mais en fait, il y en a 2 qui sont décalées. Et ça vient du fait que... mes araignées devant là, elles sont pas bien réglées, enfin le porte miroir secondaire, je sais plus comment ça s'appelle, est pas correctement réglé. Et du coup, bah, les aigrettes se dédoublent et c'est pas très beau. Et vu que c'est M51 et que j'aimerais vraiment faire une très belle image, je vais pas garder celle-là. C'est un peu con de perdre de nuit, mais bon, ça arrive. Et du coup, pour cette nuit, je pense pas non plus que je vais faire des images, je sais pas encore, mais c'est pas garanti parce que le vent il est encore pire que la nuit dernière. Donc ça va vraiment être compliqué pour le coup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu le réglage du télescope, essayer de faire ça vraiment propre pour les prochaines nuits. Et je vais en profiter aussi pour faire les images avec le Nikon D3200 et le Canon 90D, histoire que vous ayez un peu les images, voir ce que ça donne avec les APN, pour avoir une idée quoi. Oh putain! Bon, ben voilà. Ça fait 4 jours que je dors dans ma voiture. Et j'ai fini. Alors, si je pouvais faire un résumé de ces 4 jours, ce serait. Qu'est-ce que je peux dire? Ah, si, je sais. Si jamais il y a un dieu du vent quelque part sur cette planète ou dans l'univers, eh ben je l'emmerde. Voilà. Au moins, ça c'est dit. Et le dieu de la collimation aussi, même si ça pour le coup c'est plus de ma faute qu'autre chose. Enfin bref. Vous savez quoi? Je vais me reposer un peu. Et après, on va se faire un peu de collimation. De traitement plutôt. Bon. Voilà. Les images sont prises. Ça, déjà, c'est une bonne chose de faite. Mais il reste quand même le traitement et il va y avoir pas mal de boulot. Je vais faire un petit résumé rapide des 4 jours que je viens de passer. Donc, le premier jour, j'ai fait que le plan L, donc le plan luminance, mais je ne la garde pas. Pour la raison que j'ai évoquée au début de la vidéo. Le deuxième jour, j'ai fait.
principalement de la collimation en fait. C'était pour essayer de régler le télescope et de mettre en place le correcteur de coma. Et j'ai aussi fait les images avec les deux APN. Et sur la fin de la nuit, j'ai refait quelques images sur le plan L, donc toujours la même chose. Le troisième jour, j'ai fait principalement les plans de couleur, donc le plan rouge, vert et bleu, et j'ai refait un peu le plan luminance sur la fin de la nuit. Et le quatrième jour, j'ai fait le plan H-alpha, quasiment toute la nuit, enfin toute la nuit que j'ai pu exploiter, parce que sur la fin de la nuit, il y a eu des nuages, donc j'ai pas pu en faire plus. Mais le problème, c'est qu'avec tout le vent que je me suis tapé, même si en tout j'ai beaucoup d'images, il va y en avoir pas mal que je vais devoir jeter, malheureusement, hein, c'est la vie, c'est comme ça. Donc je sais pas trop ce que je vais pouvoir garder, je vais bien voir. Donc voilà, j'ai un peu de boulot, c'est parti. Mal, je suis pas mécontent de cette image. Par contre, il y a un truc que j'ai oublié de faire au début de la vidéo, que j'aurais dû faire mais j'ai complètement zappé, c'est de vous présenter les images que j'ai fait avec les APN. J'ai oublié, c'est un peu con, mais bon voilà. Alors du coup, on a l'image qui a été faite avec le Canon 90D, qui est là, et le Nikon D3200. Alors, dans les deux cas, c'est des images qui ont été prises sur des temps de pause cumulés de 10 minutes. Pour le 90D, c'était des temps de pause de 45 secondes à ISO 1600, et pour le Nikon D3200, c'était des temps de pause de 30 secondes à ISO 800. J'aurais aimé avoir les mêmes temps de pause pour les deux images, sauf que j'avais oublié l'intervalomètre du Nikon. Alors, oui, c'est con, mais au moins c'est cohérent avec tout le reste des soirées que j'ai fait. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais bon, mis à part ça, il n'y a pas grand chose de plus à dire sur ces deux images, si ce n'est que l'objet est super facile à trouver et on voit que même en 10 minutes, on peut faire ressortir quelques petits détails. Donc si vous voulez vous échauffer en astrophoto, vous pouvez foncer dessus. Hein. Honnêtement, c'est un objet qui est très bien pour débuter. Mais bon, là, sur des images prises sur 10 minutes, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que les couleurs sur le Canon auront aucun sens, elles sont complètement à la ramasse. Si on revient un petit peu sur l'image que j'ai fait avec la ZO IC 1600, je suis quand même assez content et je comprends quand même pourquoi cette galaxie est la galaxie préférée de beaucoup de monde. C'est vrai qu'elle est quand même très belle avec ces deux galaxies qui sont en train d'entrer en collision et avec toutes les petites volutes de gaz qui sont en fait des étoiles qui sont en train de se faire éjecter de la petite galaxie à cause des forces de marée et des interactions entre les deux galaxies. Ça fait vraiment une très très belle image. Moi personnellement, c'est pas forcément ma galaxie préférée, même si je la trouve évidemment très jolie, mais la raison pour laquelle je l'aime beaucoup, c'est que c'est la première galaxie que j'ai réussi à faire correctement. À l'époque, j'étais avec le même télescope, donc le Skywatcher 157-150, et j'avais une ZVO IC120MC comme caméra, donc une toute petite caméra très basique qui fonctionne bien mais qui est vraiment super basique, et j'avais fait ça. Et c'était la première belle image de galaxie que j'ai jamais fait. L'image d'avant que j'avais fait de galaxie, c'était M82, je crois. Enfin, la galaxie du cigare, quoi. Ça donnait ça. Clairement, on voyait pas grand-chose. Je veux dire, après, je suis passé à M51. Il y a quand même plus de choses à voir sur la deuxième image. Et maintenant que je suis avec une IC 1600 et une monture qui me permet de faire les temps de pause plus longs et plus d'expérience aussi, on voit quand même clairement plus de choses. Et je suis très content d'avoir réussi à voir un petit peu vraiment ces étoiles qui sont en train de se faire éjecter partout autour. Mais en même temps, si on pousse à mort sur le contraste, on voit qu'il y en a beaucoup plus qu'on pourrait voir en théorie. Bon là c'est moche, hein, mais ça permet juste de les voir. Et clairement, si sur les 4 jours que j'ai passé dehors, enfin les 4 nuits en tout cas que j'ai passé dehors, j'avais pu garder au moins 90 ou 80% des images de toutes les nuits, plutôt que de 60% des images de 2 nuits et demie, comme j'ai pu faire, parce que bon, toutes les autres c'était mort quoi. Je pense que j'aurais pu réussir à distinguer toutes tous les petits nuages de gaz d'étoiles. J'aurais peut-être pu réussir à tous les avoir sans avoir à bourriner sur le contraste et faire une image moche. Donc c'est dommage. Et aussi un truc que vous aurez pu remarquer, hein, je me suis plaint au début de la vidéo que ma collimation était pas bonne, je l'ai refait pour la deuxième nuit et au final il y a toujours des problèmes négrettes, ils se sont pas résolus. Alors j'ai bien corrigé un des problèmes qui était le fait que le miroir secondaire soit pas bien aligné, mais ça n'a pas suffi, ce qui veut dire qu'il y a d'autres problèmes, et je pense que mon petit 150-750, il va aller faire un petit tour en révision,
Parce que je pense qu'à force de se faire transporter pendant des années, il y a un peu tout qui est parti en live. Il faudrait le faire une révision totale, c'est d'ailleurs probablement Léa qui va s'en charger, hein. Merci Léa au passage. Mais voilà, je pense que je vais arrêter de papoter pour ne rien dire. Si vous, vous avez fait M51 ou vous allez la faire grâce à cette vidéo, bah n'hésitez pas à m'envoyer vos images, je serais très curieux de voir ce que ça peut donner de votre côté. Et voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, bref, ciao les gens, et à la prochaine.